Là, c'est vraiment un mélange de satisfaction. Je suis très contente d'avoir gagné ce concours. C'était une expérience très très riche. C'était une très belle expérience. On a vécu une semaine vraiment intense avec les autres candidats. Je me dis que chacun des 20 candidats qui étaient là pouvait représenter le Sénégal à Lausanne. Mais j'ai été choisie. C'est en même temps un honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Et c'est vraiment un défi que j'espère relever au mois de septembre. Vous êtes lauréate au moment où le Sénégal prône l'implication des jeunes filles dans les sciences et Oui. vous avez choisi de participer à cette population. Que faites-vous à l'endroit des jeunes filles qui sont dans les collèges? Je les encourage à aller dans les filières scientifiques parce que c'est vraiment l'avenir. Le développement du pays en dépend. Il faut que les femmes, en fait, elles aillent dans les filières, qu'elles aillent dans les filières scientifiques, s'impliquer dans les technologiques, dans le numérique. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste s'investir et travailler. Il n'y a pas de secret. Vous avez donné les points aux jeunes garçons. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, je suis contente. Vraiment, je suis contente de la parité, exactement. Parce que déjà, on n'était pas très bien représentés. On était 4 femmes sur 20. Donc, le fait que déjà 2 femmes soient primées parmi les 20, c'est déjà un honneur pour toute la gente féminine. Je représente toutes les femmes du monde. Et vraiment, je les encourage à ne rien lâcher et à toujours persévérer dans ce qu'elles font vraiment au quotidien. Merci beaucoup. Moi, c'est une question de l'AEF, en fait. Au tout dernier mot, en fait, sur l'AEF. Là, je remercie du fond du cœur l'AEF d'avoir pris l'initiative d'organiser un tel concours. Ils nous ont mis vraiment dans de très bonnes dispositions pour que le concours se fasse. Et je les remercie sincèrement. Je remercie et le ministère aussi. Voilà, je remercie profondément le ministère qui a participé. Et je voudrais remercier aussi les 2 formateurs qu'on a eus, Monsieur Goressec et Monsieur Diallo. Ils se sont vraiment investis pendant une semaine pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Parce que je vous dis que les premiers jours, quand on présentait nos travaux, déjà on faisait plus de 3 minutes et on utilisait des termes très très compliqués, mais ils nous ont réussi quand même en une semaine. On a travaillé les textes, on a travaillé la gestuelle et c'était vraiment un exercice très très intéressant. Donc je les remercie, je remercie l'AEF et le ministère. Merci.